Ok les boys, c'est parti. On ouvre notre boîte 2021-22 Hockey Series 1 de Upper Deck. 24 packs, 8 cartes par pack. Perrault dit si je pogne Zach Cassin, tu offres 50 subs. Bob Mott qui vient d'arriver. Salut Bob Mott. Oh yes sir, on est parti. On est parti. Oh, je suis content. En arrière, on va pouvoir lire un peu. Il faudrait que je retourne sur le site internet que j'ai lu. On a des sortes de cartes qui sont garanties. Là, juste à être sûr de pas comme rien briser, rien déchirer. Fait que, le prix, elle était en rabais à 118 plus taxes. Que je l'ai acheté à mon hobby store. Et voilà. C'est super beau. Ah, on ne voit pas à cause que. Et voilà. C'est ça qu'elle a dedans, la boîte. Ok. Au total, il y a 24 paquets là-dedans. J'ai le goût de la laisser au fond même. Party de famille, plein de choses à faire pour Bomat. Ok, les boys, c'est parti. On commence ça. Let's go. Hey, ça fait. Comment tu utilises un paquet de cartes d'hockey? Comme ça marche. Donc, on commence ça avec un. Oh, elles sont belles les cartes. Elles sont belles. C'est la première fois que je vois les cartes de la 2021-2022. J'en ai pas ouvert cette année. La cam, elle bouge. Ça se peut qu'elle bouge. Le setup, je l'ai dit, avec le setup, la caméra est complètement. C'est vrai, elle a complètement tourné. Je suis vraiment désolé. Et voilà. Ok. Je suis désolé. On va y arriver. Ok. Donc, comment ça? Un petit Semaine vers la main. Un Brayden Schenn. Un Thomas Chabot. Carte de base. On commence déjà en partant avec une Young Guns. Wade Allison. Young Guns de Wade Allison. Connais pas trop Wade Allison. La liste de Young Guns de cette année, là, les plus gros, c'était Trevor Zegras. T'avais Caulfield. Puis t'as Spencer Knight. Je pense que c'est les trois plus gros noms. Drysdale, c'est vrai. Gars comique de Drysdale. Swayman, c'est vrai, il y en a des bons aussi. Ben, il nous dit que Suzuki a pas de carte de base dans cette série-là. Ah ben. Oh! Si c'est pas notre Québécois, Sam Gérard. Let's go. C'est bon ça? Un Jesse Puljujärvi. André Palat. Une clear cut. C'est une clear cut Young Gun? C'est quoi ça là? Parce que ça, j'ai l'impression que c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas censé être normal, à mon avis. Moi qui ne connais rien, c'est comme. Ouais, c'est big commit, ça, là. Si tu es capable de voir au travers la Young Guns, là, j'ai comme un feeling que c'est pas mauvais, là. Oh, yes, sir, les boys! On aime ça! Let's go! C'est un Québécois, il vient de Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec. Insane! Insane! Wow! Oh shit! Ok, ça, faut protéger ça là. Oh shit! Moi, ouais, c'est dit, je vais pogner la piqûre si bois à date là, ça, mettons que ça commence assez bien. C'est que ça me donne le goût de continuer. Ok. Pour vrai, je ne connaissais pas Jérémy Davies. Une clear cut Young Guns de Jérémy Davies. En deux packs, deux Young Guns. Si on en a juste 6, c'est que ça commence quand même bien. On en a déjà deux en partant. Si on était capable d'en avoir plus que 6 dans notre boîte, ça pourrait être insane.
Ah, c'est ça. Caulfield, même pas de clear cut. J'avais juste une carte de Caulfield, je serais content. Pas obligé d'être clear cut. J'aime pas mon. Ma lumière est comme placée pile à l'endroit où c'est que ma carte est. Ça me fait chier un peu. Faut juste que je trouve le moyen de me faire l'angle pour pas que ça. Un Radu! Un Jared McCann! Waxy, elle compte pas dans les 6 Young Guns! Oh, c'est dans le fond, c'est-tu ma. C'est probablement ma. Ma wild card, ça? Clayton Keller. Denis Gurionov. Martin Jones. Ok, il n'y a rien eu à date. Fait que c'est peut-être notre variante française qui est ici. Rasmus Anderson, that's it. Ok, fait qu'il doit avoir. Il doit avoir notre variante française ici. C'est ça? Et voilà. La variante française de Denis Gurionov. C'est exactement ça. On l'a ici. Le 15 avril 2021, Gurionov s'est présenté sur la glace en deuxième. Fait que c'est ça. Ah, ben oui, toi. Il est écrit juste ici. Variante française. C'est parce que c'est écrit tellement pâle. T'as raison. Je sais pas comment tenir les cartes. On a Terry Crew. Patrice Bergeron. On a du rouge, je pense que c'est une Dazzler's Red. Elle est collée. Comment que je décolle? Elle est collée en arrière. En tout cas, je. Ok, je l'ai décollé. J'ai réussi à la décoller. C'était une Tyler Toffoli, je pensais que c'était la carte spéciale. Non. Tyler Toffoli, qui était collée après, en arrière de Bergeron. Il y en a une Young Guns. C'est qui a collé la Young Guns des Blue Jackets tantôt? Joshua Dunn. Les Blue Jackets. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est qui. Je ne connais pas Joshua Dunn. Et play. 6 matchs joués. Aucun point. Pas. Un fabuleux pot. Mais c'est notre deuxième Young Guns. Il en reste encore 4. Parce que là. Tantôt, quelqu'un nous a demandé si on avait eu un gros pot. Notre plus gros pot. Clear Cut Young Guns de Jeremy Davies. C'est ça, notre plus gros pot à date. Ok. On poursuit avec Thomas Grice. À date, toutes les inserts qu'on a eu, c'est des Young Guns. On n'a rien eu d'autre. Brent Burns. Quand même un uniforme spécial. Alex Kerfoot. Oh, quelque chose de différent ici. On a le nom qui a été dévoilé. On a les debut dates de Ty Dillingham. Je connais pas Ty Dillingham. Dillingham. Oh my god. C'est donc ben nul comme carte à regarder les stats. Debut dates de Ty Dillingham, 0 but, 0 pass, 0.0. Ok. On poursuit avec une Bo Horvat. Adam Lowry. Carter Verhaeghe. Et ça, je crois que c'est encore une Young Guns. On y va-t-il avec le casque? Non, c'est pas une Young Guns. On a Jean-Gabriel Pageau. Je pensais que c'était une Young Guns. Ça doit être la carte d'après. Oh! J'aime ça. J'aime ça. Il y a du rouge en haut à gauche. C'est quoi ça? Oh, tabouère! Oh, tabouère, les boys! Holy shit! Oh, let's go! The Elvis Merzlikins exclusive 95 sur 100. Oh my god.
Ok, Merzlikins, honnêtement, c'est quand même pas un petit nom. Je pense que je suis chanceux à date. Je pense que je suis chanceux dans ma boîte. Elvis Merzlikins, 95 sur 100. Upper Deck Exclusives. On comprend dessus? Tristan Jarry? Trevor Moore? Et il y en avait une de collée en arrière. Kevin Lankinen? Trevor Moore, comme on a dit? À tantôt, Flex! Bonne marche! Oh! C'est quoi ça? Draisaitl Honor Roll. Superstars Honor Roll de Draisaitl. La carte est vraiment très jolie. On poursuit avec une carte. Une carte. Une carte de Josh Norris. Ensuite, Travis Konecny. Et bon, le nom est écrit en bas. Une UD Canvas de Anthony Manta. On parlait des Québécois. En voilà un autre Québécois. Insert UD Canvas de Anthony Manta. Morgan Riley. Un beau petit Morgan Riley de Toronto. On a la checklist. Checklist de 1 à 100. De Jason Robertson. Écrit qu'après ça. Devontae's. Deux bons défenseurs de l'Avalanche qu'on a eu là. C'est quoi notre prochaine carte? Une autre magnétique. Numéro 83. C'est qui numéro 83? Hop là, Arizona, Connor Garland. Yee. Un peu moins intéressant que la Dylan Larkin, ça c'est certain. Ok, on continue. Alex DeBrincat, nouveau Ottawa. Nouveau Ottawa. Nouveau sénateur d'Ottawa. Est-ce qu'on est retourné à Young Guns ici? C'est pas une Young Guns. C'est quoi ça ici? C'est une Canvas. Upper Deck Canvas. Elle est sur le côté. Elle est de l'autre bord. Oh, Upper Deck Canvas de Brock Besser, quand même. J'aime beaucoup Brock Besser. J'aime cette carte-là. Mais ça coûterait ben trop cher. Ils n'ont pas d'argent pour ça. EA Sports. Encore des cartes collées. Bon. Philip Forsberg. Keith Yandle. Oh, ça c'est une autre insert spéciale. Et c'est une patch. Je viens de réaliser que c'est une patch, les boys. On a une patch. J'ai vu que la carte est immense. On a une patch. Oh shit. Oh shit, les boys. On va prendre les cartes qu'il y en arrière avant. Là. Kevin Hayes. Jake Hensel
Il reste juste la patch. On a une patch. C'est une patch de qui? C'est un joueur de Boston. Si c'est pas Stonak, je crie. Non, c'est les Blues. C'est les Blues, je pensais que c'était Boston. Il y a du jaune et du bleu, c'est les Blues. Numéro 78. C'est qui 78? Pareko? Justin Falk. Ok. Ah, je suis déçu. Vraiment très déçu. Justin Falk. Bon. Ça aurait pu être immense. Non, je pensais que c'était une page. Excuse-moi, Yupi. C'est un game used. C'est une game used. Game used hockey memorabilia that has been certified to the Upper Deck Company. Oh, man. Justin Falk est pas vraiment un gars qui est pas le meilleur gars qu'on avait pu avoir. On a quand même eu un jersey. Mais on a des cartes de toutes sortes. Fait que je suis content. On a du jersey. On a du numbered. On a du clear cut. C'est quand même le fun. Cyrielli. Artemi Panarin. Josh Bailey. Non, 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 lui. Let's go! Jamie Drysdale, Young Guns, les boys. Quand j'ai vu Jamie, j'étais comme ça y est, let's go. Ça, c'est une des best. À mon avis, c'est une des best. Je dirais qu'elle serait comme top 5. De cette classe-là, de la classe de Young Guns de cette année. Ça, c'est un hit. Young Guns de Jimmy Drysdale, ça, je suis content. Ça, je suis vraiment très, très, très content. Ça mérite une petite sirène. Ouais, les boys, je sais qu'il y en a une meilleure, mais c'est quand même top 5, là. C'est sûr que c'est pas Zegras, c'est sûr que c'est pas Caulfield, mais Jimmy Drysdale, c'est un des meilleurs, à mon avis. Mais, un peut-être un joueur de Norris. Jake DeBrusk. C'est toujours un an en retard, c'est pour ça. Ok, merci, Machoué. Ça paraît que je suis nouveau dans le hobby. Saros. Jordan Millington, juste après. Oh. Logo de New York. UD Portrait de Semyon Varlamov. Ok. La carte est spéciale. Elle est genre en or un peu. Je sais pas si elle était scrap. Mais rendu là, je pense pas que je vais vraiment revendre mes cartes pour l'instant. Là. Martin Natchez. Brett Pesci, on est dans la Caroline. Alex Ayafalo. Et qu'est-ce qu'on a ici? Young Guns. Arizona, je crois. C'est-tu Young Guns ou c'est pas Young Guns? C'est pas Young Guns, c'est Ekman Larson. Carte d'après va être notre insert. Oh. Il est écrit live. Il est écrit live ici. Tiv. Oh. Oh, Tabouer! Ok, non, c'est quoi ça? Ok, je pensais que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais ça ne l'est pas tant. Je pense que c'est une de leurs inserts de cette année. J'ai vu Rookie. J'étais comme, ça y est, on a une Rookie de Kaprizov. Mais Rookie Retrospective, c'est quoi ça? C'est-tu une insert? RR. C'est ça, c'est une insert. C'est pas... En tout cas, c'est first en points et en goals. Fait que ça, c'est sûr que c'est bon. Mais je pense que ça doit être une suite bien normale, ça. Dylan DeMello, carte de base pour continuer. Nico Hischier. Rasmus Dahlin.
Victor Arvidsson. Et là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est une Young Guns? Non. C'est Anders Lee Hondo P. C'est quand même très drôle comme nouvelle série. C'est nouveau de cette année, ça, les Hondo P. La carte est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le 100% ces cartes. Hondo P. De Anders Lee. Ok. Une insert spéciale, ça. Ty Smith. Jonathan Marchessault, let's go! Mon chalet de Vegas que j'ai. Lui de la maison que j'ai, c'est de Jonathan Marchessault. Je l'aime beaucoup, Jonathan Marchessault. Oh! Ok. Quand j'ai vu Capo Caco, j'étais comme wow! Mais c'est juste une carte bien normale. C'est pas ça, Young Guns. Et là, New York. Qui a à New York? C'est pas une recrue, ça. Nick Lally, of course not. Ok, une moins bonne ici. Morgan Barron. Un petit peu décevant celui-ci. Morgan Barron. Chris Tierney. Nick Delaurier. Fierté québécoise, on l'aime Nicolas Delaurier. Oh, what is that? Ah, oh, ça allait coller. Coudon. Je me suis spoilé ma insert. Kevin LeBanc. Salut, il est pas là, Perro. Series 1 2021-2022. Fait exactement la même boîte que moi qui est en train d'ouvrir Blazer. Yuri Canvas de Pavel Buchnevich. C'est notre insert maintenant. Miles Wood. Le rat. Brad. Marchand, ouais, focus. Focus, focus. L'euro. Sidney Crosby. Carte de base. Cutter Hart. Non, rien n'est plus Drysdale, hein, vraiment intéressant, Will. Une Young Guns de Morgan Barron, mais rien vraiment de fameux. On a une autre Young Guns ici. J'ai vu Tampa Bay. Fait que ça serait probablement Alex Barry-Boulet. Non, c'est que je suis con, moi, je pensais que c'était ma Young Guns. Je pensais que c'est toujours la quatrième, c'est la cinquième carte de bord. T'as eu trois fois Marchand. C'était Vasilevski, c'était pas une Young Guns finalement. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est une carte spéciale, c'est pas une Young Guns, c'est une insert. Je crois que c'est une UD Canvas, c'est une UD Portrait. Numéro 34, Austin Matthews. Oh, come! Oh my god! Hey, on est stacké sur le Jimmy Drysdale aujourd'hui! On est stické sur le Jimmy Drysdale! UD Portraits de Jimmy Drysdale! Ça doit valoir probablement un petit peu plus que sa Young Gun, ça. Zach Parisé. Tyler Seguin. Eric Robinson, qu'on avait encore. Alex 2004, on commence à avoir des dooms. Carte de Nathan McKinnon, UD Portraits. Bunting, il n'est pas avec Toronto. C'est-tu le même Bunting? Oh, tu vois, on est probablement un an en arrière, c'était pour ça. Mackenzie, Blackwood. Victor Hedman, on aime ça. Matt Zuccarello. Et encore une ça c'est une coudon. Je vais y arriver. Canvas, UD Canvas. De Philippe Ronick. Nicholas Haig, oups là, je suis en train de tout dévoiler mes cartes. Nicholas Haig.
Alexis Lafrenière, oh que ça aurait été magique avoir sa Young Gun si ça avait été la mienne. Non, elle est pas là. Ça, c'est pas. Oups là. Charlene Greenway. Patrick Hornquist. Je fais un peu d'ombre, c'est vrai, hein. Je fais un peu d'ombre, t'as raison. T'as raison. On a notre Young Guns, elle est ici, les boys. Young Guns. Est-ce qu'on le dévoile par le haut? J'aimerais ça le dévoiler par le haut. C'est jaune. Spencer Knightley, boys, let's go! Woo-hoo-hoo! Spencer Knight, let's go! Ça, c'est un pull, mes amis. Ça, je suis très, très, très down. Oh, oui! Nice! Ça, c'est un des best. Ça, c'est une win. Ça, c'est une sacrée win. Knight et Drysdale dans nos Young Guns ce soir, cet après-midi plutôt. Oh, que je suis content. C'est un beau pull, ça. Quand j'ai vu le jaune, j'étais comme, oh shit, ça va-tu être un autre genre de Nashville? Ça risque de pas être quelque chose d'exceptionnel. Kubalik. Zach Werenski. Sean Walker. On a Rasmus Ristolainen. Est-ce que Caulfield, il y a du rouge en arrière? Ah non, c'est une... What? On n'aura pas de Dazzler, mon gars. Rookie Retrospective de Josh Norris. Donc, notre dernier pack, les boys. Dernier paquet. Est-ce que ça va être une autre Young Guns? Est-ce que c'est un autre insert? On verra bien. Thomas Hertl. Tyler Myers. Tage Thompson. Richard Panik. Encore une fois. Et c'est une Hondo P. On termine sur une Hondo P. J'ai vu les 100% en haut. On sait qu'en bas, c'est une Hondo P. Hondo P de Blake Wheeler. Ouais. Non, pas de Caulfield. Les cartes Pokémon, c'est un peu moins mon trip BD. Mais là, ok, ça, je peux rentrer là-dedans. Fait que Hondo P de Blake Wheeler pour terminer. 100%, une belle box. Elles sont rendues à Candiac. Ok. Moi, je pense que je rentre dans mon argent, comme tu dis. Waxy, c'est clair qu'il y a des box qui ont mille fois pire que ça. On peut refaire un petit wrap-up de tout ce qu'on a eu. Un petit recap de ce qu'on a eu aujourd'hui. Dans les inserts. Début date, Ty DeAngelo. Variante française de Denis Gurianov. On a Honor Roll, Leon Draisaitl. Upper Deck Game Used Jersey de Justin Falk. On a UD Canvas de Brock Besser. UD Canvas, Anthony Manta. UD Canvas de Pavel Buchnevich. Hondo P, Anders Lee. Hondo P, Blake Wheeler. On a Rookie Retrospective de Kaprizov. Rookie Retrospective de Josh Norris. Electromagnetic de Dylan Larkin. Electromagnetic de Connor Garland. UD Portraits de Semyon Varlamov. UD Portraits recrue. Non, excusez-moi. UD Portraits de Nikita McKinnon. Et UD Portraits recrue de Jamie Drysdale. Et dans nos meilleurs pools, on a Young Guns Clear Cut de Jeremy Davies. UD Exclusive 95% d'Elvis Merzlikins. Young Guns de Spencer Knight, notre meilleur pool probablement. Young Guns de Jamie Drysdale. Young Guns de Joshua Dunn. Young Guns de Morgan Barron. Et Young Guns de Wade Allison.
Wade, ouais, c'est ça, Wade Allison. Pour compléter notre box break de la Hobby Box Upper Deck 2021-2022 série 1 qui est terminée aujourd'hui. Merci beaucoup les boys.